Je m'appelle Naël, je travaille chez Safran sur le site de Colombes. Je suis technicienne méthode depuis 2015. Safran produit des boîtes de transmission de puissance, c'est-à-dire des boîtes d'engrenage qui permettent de fournir la puissance au moteur. Je définis les instructions de travail pour les opérateurs de fabrication et les contrôleurs en atelier. À partir de la documentation du bureau d'études, je rédige une procédure où sont inscrites les différentes étapes de fabrication ou de contrôle et aussi les outils à utiliser. J'ai fait un BTS industrialisation des produits mécaniques aux Antilles, en Guadeloupe. Alors mon travail il est très diversifié. Il y a des jours où je peux passer une journée à réaliser des instructions de travail et d'autres jours où je peux être en assistance à l'atelier. Comme c'est nous qui définissons les procédures de fabrication et de contrôle, je vais en atelier pour montrer aux opérateurs et aux contrôleurs comment faire. Et j'écoute avec attention leurs remarques. L'une des compétences nécessaires pour réaliser ce métier, c'est de savoir utiliser les logiciels de conception assistés par ordinateur tels que CATIA. Le logiciel CATIA me permet de réaliser des modèles de pièces en trois dimensions et de créer des plans. Cela nous permet de réaliser des instructions de fabrication et de contrôle plus claires. Nous concevons également tous nos outillages avec ce logiciel pour les faire fabriquer par nos fournisseurs ou par l'atelier. Au-delà de la maîtrise du logiciel CATIA, je dois évidemment avoir de solides connaissances en mécanique, même si dans certains cas, on fait appel à des spécialistes métiers pour nous aider. Il faut aussi savoir maîtriser l'anglais, puisque des fois nous recevons des instructions de travail qui sont rédigées en anglais. Pour exercer ce métier, il faut être rigoureuse et aimer aussi le contact humain parce que je travaille beaucoup avec les opérateurs et aussi d'autres services. Je travaille en collaboration avec la gestion de production, la production, le bureau d'études et aussi mes collègues aux méthodes. Dans 5 ans ou 10 ans, je me vois bien évoluer dans la production et pourquoi pas découvrir d'autres sites du groupe Safran. Si j'avais un message à faire passer aux jeunes, c'est de croire en leurs capacités afin de réaliser leurs rêves. Les filles, vous avez toutes les capacités pour travailler dans l'industrie. Rejoignez-nous !